Un photographe de la famille royale a levé le voile sur la véritable personnalité du prince Harry et de Meghan Markle, affirmant qu'ils sont misérables. Arthur Edwards, qui est photographe avec The Sun, a déclaré au podcast I've Got News for You The News. Comme point a eu qu'il entretient une relation solide avec les membres de la famille royale, après avoir tourné avec la famille royale britannique pendant plus de 40 ans. Les années qu'il a passées avec la famille signifient qu'il sait ce qu'ils sont vraiment. Monsieur Edwards a affirmé que passer du temps avec les Sussex était déprimant. Il a dit, Camilla disait toujours bonjour, Kate dit bonjour, William, ouais, ils sont tous très amicaux et Harry aussi jusqu'à ce qu'il rencontre Meghan, puis il est devenu très très distant et il est devenu presque, eh bien, c'était misérable, je trouve ça très déprimant avec eux, ils détestaient les médias et c'était misérable. Alors je les ai évités et je suis allé avec Charles en Nouvelle-Zélande et vous connaissez des endroits comme ça. William et Kate attendent avec impatience du temps sans enfants pendant leur tournée royale, selon un expert. Le prince William et Kate Middleton devraient entreprendre une tournée d'une semaine dans les Caraïbes en mars. Le duc et la duchesse de Cambridge représenteront la reine lors de leur visite en Jamaïque, au Belize et aux Bahamas du 19 au 26 mars en cette année du jubilé de platine. Leurs enfants, le prince George, 8 ans, la princesse Charlotte, 6 ans, et le prince Louis, 3 ans, ne les accompagneront pas, permettant aux parents qui travaillent de passer du temps ensemble juste tous les deux. L'expert royal Jenny Bond a partagé ses réflexions avec OK Magazine sur la façon dont ils doivent se sentir loin des enfants. Elle a déclaré, « Je suis sûre qu'il y a une partie d'entre eux qui attend avec impatience de passer du temps sans enfants, comme tous les parents qui travaillent. » Triste et effrayante, Sarah Ferguson partage un message sincère en faveur de l'Ukraine. Sarah Ferguson a répondu à l'invasion russe en cours de l'Ukraine sur son compte de réseau social. La duchesse d'York a partagé un message sincère dans une série d'histoires Instagram. Partageant le message du prince héritier de Johor sur son histoire Instagram, elle a posté « Nous vivons aujourd'hui dans un monde où les faits n'ont plus d'importance. Tout est question de perception. CST très triste et effrayant. Bébé royal. Trois fois, Kate a laissé entendre l'espoir d'un quatrième bébé. La fièvre du bébé royal semble s'être emparée de Kate Middleton ces derniers mois, la duchesse ayant laissé entendre plusieurs allusions à sa maussade lors de sorties royales. Cette semaine, Kate et William se sont rendus au pays de Galles pour marquer la Saint-David. Et leur visite comprenait un voyage au marché d'Abergavenny pour rencontrer des fournisseurs locaux. Le couple royal populaire s'est arrêté pour parler aux membres du public, et Kate avait l'air ravie de rencontrer un groupe de bébés avec leur mère. Kate a été aperçue en train de passer son bras autour de William alors qu'elle prononçait « Regardez les adorables bébés » tout en souriant avec ravissement. Les enfants de Camilla sont pressentis pour un nouveau titre royal lorsque la duchesse a couronné la reine avec le roi Charles. Le prince Charles pourrait conférer un nouveau titre aux enfants de sa femme Camilla, duchesse de Cornouailles, après son accession au trône, selon un auteur royal. Selon certaines rumeurs, le prince Charles souhaiterait moderniser la famille royale et rationaliser le cabinet lorsqu'il deviendra roi. Cependant, un auteur royal a affirmé que le prince de Galles était également un traditionnaliste et a suggéré que Charles aimerait peut-être rectifier une anomalie au sein de la famille royale après avoir accédé au trône. Le commentateur royal Brian Hoy a noté que Camilla avait deux enfants, Laura Lopez et Tom Parker Bowles, nés lors de son précédent mariage avec Andrew Parker Bowles, qui n'ont pas de titre. We'll be right back.